Harry se mit en route pour le sommet de la tour avec Norbert bien à l'abri dans sa boîte. Grâce à sa cape, il espérait que Ruzard et sa chatte Mistaigne ne pourraient pas le repérer. Mais qu'est-ce que c'est que... Que se passe-t-il? Qui va là? Quelqu'un est passé devant moi! Et maintenant, comment je vais faire pour monter là-haut ? Qui va là? Quelqu'un est passé devant moi! Mais qu'est-ce que c'est?
que c'est que... Oh. Où êtes-vous, sale petite peste? Je vous aurai, oui, je vous aurai. Oh.
Je ne suis pas aveugle. Et je ne laisserai personne pénétrer dans cette tour cette nuit. Oh ! Peeves, tu ne l'emporteras pas au paradis. Ça peut sûrement m'aider à détourner l'attention de Ruzard en cas de besoin. Il y confia le dragon à des amis de Charlie, le frère de Ron, qui veillerait à ce que la pauvre bête arrive saine et sauve en Roumanie. Oh, Miss Teign, j'aurais juré avoir entendu des bruits de pas par ici. Mais bon, allons voir si tout va bien du côté de la bibliothèque, ma belle. Cette fois, je vous ai entendu, j'en suis sûr. Vite, Miss Teign, ne les quitte pas des yeux. Vous n'irez nulle part. Je ne vous laisserai pas passer, sale petit vaurien. Je vous saurai et vous apprendrez à me connaître, foi de Ruzard. Rebonjour Harry. Vous trouvez beaucoup de dragées? Fred et George préparent encore un de leurs mauvais tours, je suppose. J'ai entendu parler de votre victoire au Quidditch. C'est formidable, Harry. Vous allez finir par remporter la coupe, pas vrai? Oh. Oh.
Qu'est-ce que c'est? Où êtes-vous, sale petite peste? Je vous aurai, oui, je vous aurai! Wow. Le miroir du Rized renvoyait l'image des parents de Harry, James et Lily Potter, qui le regardaient en souriant. Harry les contemplait avidement du regard, comme s'il espérait passer au travers du miroir et se précipiter vers eux. Harry sentit son sang se glacer quand il entendit une voix derrière lui. Lentement, il se retourna. Comme des centaines de personnes avant toi, tu as découvert le bonheur de contempler le miroir du Rized, dit le professeur Dumbledore. Puis il lui expliqua que le miroir ne montrait rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur. Mais qu'il ne pouvait apporter ni la connaissance, ni la vérité. Le miroir du Rized sera bientôt déménagé ailleurs, ajouta Dumbledore, qui conclut d'un ton inquiétant en disant que si Harry tombait encore dessus, il serait désormais averti. Averti de quoi ? Pensa Harry. Ces sales petits morveux nous ont échappé, Mustaine. Mais j'ai verrouillé la seule issue, histoire de me rassurer. Reste ici et surveille encore un peu la bibliothèque, ma belle. Le seul moyen de sortir de cette pièce est de franchir cette porte. Ça fait un raffut épouvantable. Surveille cette partie de la pièce et moi, je m'occupe de l'autre. Nous les attraperons, Mustaine. Intrus ! Boah ! Berk ! Je vous saurai et vous apprendrez à me connaître, voix de rusard ! Ugh.
Qu'est-ce que c'est? Allez, sortez. Où que vous soyez, je vous conseille de sortir. Pierce, tu ne l'emporteras pas au paradis. Tu as 25 dragées à nous donner? Ça y est, on a toutes les dragées qu'il nous fallait. Merci Harry, on n'y serait jamais arrivé sans ton aide. Tiens, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres. Tu l'as bien méritée. Merci Harry, on en avait vraiment besoin. Et si quelqu'un te demande, tu n'as jamais entendu dire qu'on faisait une collection de dragées. C'est notre petit secret, d'accord? Allez, viens, Georges. On a du pain sur la planche.